Juste avant d'y venir, on fait quand même un point sur l'actualité. Je n'avais pas prévu de questions évidemment là-dessus, mais enfin, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, puis d'autres fusillades, etc. Quel est ton avis là-dessus ? Déjà, j'ai envie de dire que ça m'étonne parce qu'il y a quand même, tous les jours, il y a des meurtres en France. Je crois qu'il y en a une moyenne de 3, 4, 5, on n'a pas une unité près, mais bon, on va dire 3, 4. Factuellement, il y a 3 enfants qui disparaissent chaque jour en France qu'on ne retrouve pas. Il y a 40 suicides en moyenne, encore une fois, c'est une moyenne, hein, on n'est pas à l'unité près, mais 40 suicides chaque jour en France. Une femme qui meurt sous les coups de son mari tous les deux jours en France. Il y a même des hommes qui meurent sous les coups de leur femme, ça existe aussi, tous les 13 jours en France. Bon, des chiffres comme ça, c'est des chiffres tout à fait factuels, et étrangement, on n'en parle pas. Donc, il y a la pédophilie, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a des réseaux, effectivement, pédosatanistes, ça existe aussi, c'est pas juste dans les films. Et dans les familles aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, c'est très étonnant de voir qu'on nous parle de ça, et qu'on nous parle pas du reste, comme si c'était, voilà... Je pense que comme derrière toutes sortes de grosses affaires, un peu comme toute forme d'attentat en fait, qu'il y a toujours des zones d'ombre, des choses qu'évidemment on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Évidemment, textuellement, l'islam est forcément très utile à ceux qui organisent ce genre de choses-là, parce que ça fait partie aussi de certains textes. Si on lit la Sunna, les hadiths de Boukhari, de Muslim, on s'aperçoit que effectivement les djihadistes qui existent bien, ça existe les djihadistes, hein, c'est qui sont financés certes par nos élites. Hein, c'est ça le problème d'ailleurs, c'est que par le Mossad, tout ça, mais ces gens-là, ces djihadistes-là, comprennent parfaitement les textes. Ils ne sont pas si débiles qu'on pourrait le croire, les textes ils viennent bien de quelque part. Et effectivement, il suffit de lire tout simplement la Sunna, la biographie de Mohamed, les hadiths. Donc, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas tout lu, je ne suis pas un islamologue, mais il suffit tout simplement de lire un peu, de chercher dans le Coran à gauche, à droite. Et effectivement, ça s'inscrit dans un projet d'islamisation du monde entier, en fait. Donc, mais on ne peut pas utiliser, par exemple, les chrétiens pour faire ça, parce que tu ne tueras point, c'est tu ne tueras point. Donc, et il n'y a pas. On appelle ça la taqiya dans l'islam, c'est-à-dire donc le devoir de mensonge pour convertir le monde entier dans le but toujours d'un nouvel ordre mondial à leur sauce. Ça fait partie de la doctrine musulmane, hein, la taqiya. C'est pas un truc à mettre au goût du jour ou des choses comme ça. Hein. Le djihad, c'est pas quelque chose à mettre au goût du jour, vraiment à une certaine période. C'est intemporel jusqu'à temps que le monde entier soit sous la charia, en fait. Donc, ça fait partie d'un projet, tout ça. Maintenant, le problème, c'est qui les finance. Et je tiens à dire une chose, c'est que, évidemment, tous les musulmans, qui sont pour la plupart d'ailleurs traditionnalistes et pas dans une connaissance pure et dure, ne sont évidemment pas djihadistes, n'ont évidemment pas envie de tuer des gens, ni rien du tout. Ce serait plutôt l'inverse. Donc je fais évidemment pas d'amalgame entre les musulmans modérés et les musulmans djihadistes, qui sont eux par contre extrêmement littéraires. Après, plus on creuse le Coran, plus on devient djihadiste théoriquement. Pour moi, ça s'inscrit dans une logique musulmane, tout simplement, puisque les textes, on peut les trouver sur Internet. Ils ne sont pas, on voit que c'est pas destiné à un moment près. En fait, c'est intemporel, c'est pour toujours, jusqu'à temps que le monde soit sous l'islam, en fait. Donc, c'est ce qu'on voit en France d'ailleurs, nous sommes plus dans une émigration, mais dans un remplacement de population. Et c'est un fait. Moi, je sais que, par exemple, quand j'arrive même à ma salle de sport, il y a une forte communauté musulmane. Je vois des fois des musulmans qui prient dans la salle de sport, dans les vestiaires. Donc, moi, évidemment, ils ne me dérangent pas en tant que tel. Mais il y a quand même, on voit qu'il y a quand même un problème. Parce que, étrangement, on ne voit pas de chrétiens faire ça. Voilà, ça fait pas de moi évidemment un raciste, parce que l'islam n'est pas une race, et l'islam est adapté à tout le monde. Mais il suffit de lire tout simplement les textes, et j'ai beaucoup regardé les dialogues des savants musulmans, tu sais, pour voir quels étaient leurs arguments, tout ça. Je me suis aperçu tout simplement que ça tenait pas debout,
et qu'il y avait de gros problèmes, et tous ceux qui sortent de l'islam le savent. Mais après, de là, en faire des musulmans de mes ennemis, tout ça, alors c'est pas du tout mon but. Au contraire, je les amène le plus possible à la réflexion, parce que effectivement, quand on est dans la lecture approfondie, sérieuse, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un problème, quoi. Alors, tu as relayé notamment une vidéo de l'abbé Pagès qui dialoguait avec des musulmans, et il en est venu au bout d'un moment à dire de toute façon l'islam c'est l'antéchrist. Est-ce que toi tu es sur cette position là aussi? Jésus dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus-Christ: celui qui ne confesse pas de sa bouche que Dieu est venu en chair, en Jésus-Christ, est à l'esprit de l'antichrist. Donc c'est la Bible qui le dit. Jésus, la personne ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, à l'esprit de l'antichrist, tout simplement, en fait. En fait, un sataniste, c'est tout simplement ça. C'est quelqu'un, un musulman n'est pas plus sataniste qu'un franc-maçon, qu'un athée, qu'un bouddhiste, que je sais pas quoi, en fait. C'est celui qui n'est pas avec Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et contre lui. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui le dis, hein. Donc c'est pas Morgan Priest qui dit ça, c'est la Bible. Donc si quelqu'un a un problème avec ça, il s'en prend la Bible, mais pas à moi, parce que je suis pas spécifiquement... c'est pas moi la Bible, c'est pas moi qui l'ai écrite, tu vois. Donc, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces événements-là, où on a fait le tour? Disons que ouais, ça occupe bien l'opinion publique en attendant. Et puis en attendant, j'ai reçu des SMS, des choses comme ça. Je suis Charlie. Moi, j'aurais plutôt envie de dire: je suis français et la France meurt un peu plus chaque jour. C'est bien résumé. Alors.